Bonjour à tous. Donc, nous allons aujourd'hui effectuer la correction donc du pré-examen de mathématiques sur les dérivées. Donc, voilà, on va démarrer tout de suite. Donc, avec la première question. Donc, on se donne une fonction qu'on appelle petit f et qui est donc définie par l'équation suivante f de x égale racine carrée de x. Et donc, on se propose de calculer le taux de variation de la fonction petit f entre les points d'abscisse x égale 4 et x égale 4,5. Alors, pour comprendre, réviser un petit peu ce qu'est le taux de variation, j'ai préparé un fichier GeoGebra. Et donc, en rouge, j'ai dessiné la fonction racine carrée de x. Et en vert ici, la tangente au point grand A à la courbe représentative de la fonction donc petit f. Donc cette courbe est dessinée en rouge. Donc en rouge vous avez le graphe de la fonction racine carrée de x et en vert vous avez la tangente au point d'abscisse grand A, la tangente à cette courbe. Alors j'ai également tracé la droite qui passe par deux points A et B. Donc cette droite apparaît ici en bleu. Et le petit c ici, c'est la pente de cette droite. Alors je rappelle que la pente d'une droite, ben c'est delta y sur delta x. Donc ce serait ici l'ordonnée de b moins l'ordonnée de a divisé par 4,5 moins 0,35. Donc delta y est obtenu en faisant la différence des ordonnées des points A et B. Et delta x est obtenu en faisant la différence des abscisses des points A et B. Et quand on fait donc la division de ces deux quantités, on obtient la pente de la droite. Delta y sur delta x. Et donc la caractéristique principale d'une droite, c'est que sa pente est constante. C'est-à-dire que quels que soient les deux points que je prends sur la droite AB, eh bien, j'obtiendrai toujours une pente égale à 0,37. Et la pente de la droite verte ici, donc la pente de la tangente, c'est en fait le nombre dérivé de la fonction petit f au point d'abscisse, l'abscisse du point grand A, donc 0,35. Alors, pour préciser un petit peu comment on obtient donc ce nombre 0,85, ou ce nombre dérivé, donc, qui est donc la pente, je le répète, de la tangente. Eh bien, on va d'abord étudier la pente donc, de la droite qui passe par A et B. Et cette pente, c'est ce qu'on appelle le taux de variation de la fonction petit f entre les points A et B. Alors, dans l'exercice qui vous est proposé dans l'examen, en fait, petit a, vous voyez, hein, la tangente en vert se rapproche en fait de la droite AB. Dès que j'approche le point grand A du point grand B. Et alors, dans l'exercice, on nous propose de calculer la pente donc de la droite en bleu, donc le taux de variation de la fonction petit f entre les points A et B. Donc là, GeoGebra nous donne directement le résultat attendu, c'est-à-dire 0,24. Donc 0,24, hein, c'est la pente de la droite qui passe par A et B. Alors, comment je fais pour calculer cette pente? Eh bien, si je reviens sur donc l'examen, ben, je vais calculer le y du point grand B, donc c'est petit f de 4,5, moins le y du point grand A, qui a pour abscisse 4, donc c'est f de 4, et je divise par les abscisses, l'abscisse du point grand B et l'abscisse du point grand A. D'accord? Donc c'est bien le taux de variation entre les points d'abscisse 4 et 4,5. Donc ces deux points, évidemment, sont sur la courbe petit f. C'est pour ça que leur y, ben, c'est f de 4 et f de 4,5. Et alors la notation ici, c'est en fait pour bien exprimer le fait que c'est finalement un delta y sur delta x. Hein, c'est un delta de petit f, donc les images y sur delta de x, la variable. Et donc on remplace ces expressions par la fonction qui est donnée ici, donc racine carrée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à effectuer le calcul. Alors quand je divise par 0,5,
divisé par 0,5, c'est divisé par 1/2, puisque 0,5, c'est 1/2. Donc quand je divise par 1/2, ça revient à multiplier par l'inverse de 1/2, qui est 2. Donc ceci est égal à cela. La racine carrée de 4, c'est 2. Et quand je prends la calculatrice et que je fais le calcul, j'obtiens 0,24, ce qui correspond bien au nombre qui est ici. Et donc en fait, dans cette première question, le calcul qui est fait là, donc c'est la pente, hein, le taux de variation entre x, de petit f entre x égale 4 et x égale 4,5, c'est la pente de la droite qui passe par les points d'abscisse 4 et 4,5. Voilà, sur ces points A et B étant donc sur la courbe rouge, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc je dessine les points A et B qui sont sur la courbe de la fonction petit f, en abscisse 4, en abscisse 4,5. Je trace la droite qui est en bleu. Et donc on voit que la droite en bleu ici est très proche de la tangente. Hein. Et alors si on veut obtenir la pente de la tangente pour 4, il faudrait rapprocher le point grand B ici de 4. Et alors, donc si je rapproche le point B de 4, ben on voit effectivement que la droite bleue va venir se rapprocher en fait de la tangente. Hein. Et en fait, la tangente, c'est ça, hein, c'est la limite de la droite bleue quand le point B se trouve en A. D'accord? Alors, pour le calculer, on passe donc à la question petit b ici. Donc, ce qu'on nous demande de déterminer, c'est f' de 4, donc la dérivée de petit f quand x égale 4, et donc c'est la pente de la tangente. Alors, pour la calculer, eh bien, tout simplement, il faut faire tendre. Donc, on prend deux points. Mais cette fois, donc, toujours le point d'abscisse 4 qui reste là. Mais au lieu d'utiliser le point d'abscisse 4,5 ici, j'utilise un point d'abscisse 4 plus petit h. Ici, petit h va aller 0,5. Et alors, je calcule, j'exprime donc, j'exprime donc l'expression du taux de variation quand à la place de 4,5, je mets 4 plus h. Et donc, j'obtiens cette quantité-là, racine carrée de 4 plus h moins racine carrée de 4, donc ça c'est le delta y, divisé par le delta x en bas. Alors le delta x, ça va être 4 plus h moins 4, et donc 4 plus h moins 4, ça fera petit h, d'accord? C'est pour ça qu'ici, on l'a ici exprimé ici, hein, et donc ici simplifié. Alors, évidemment, si je fais tendre h vers 0 dans cette expression-là, je vais obtenir racine carrée de 4 plus 0, c'est-à-dire racine carrée de 4, moins racine carrée de 4, ça fait 0. 0 divisé par h qui vaut 0, ça fait 0 divisé par 0. Donc là, quand je fais tendre h vers 0, je ne sais pas trouver la limite de cette quantité-là. Donc il faut la manipuler, donc la modifier un petit peu algébriquement. Et on va multiplier en haut et en bas par un même nombre, et donc par l'expression conjuguée, en fait, de ceci. Donc racine carrée de 4 plus h plus racine carrée de 4, et je divise en haut et en bas donc par cette quantité-là. Alors quel est l'avantage de faire ça? C'est que donc ici j'ai du a moins b multiplié par a plus b, ça va me donner le carré de racine carrée de 4 plus h, c'est-à-dire 4 plus h, moins le carré de racine carrée de 4, c'est-à-dire 4, donc ça c'est une identité remarquable, hein, à bien connaître, et en bas, bah, ça reste inchangé. Mais alors, une fois que j'ai fait ça, ben 4 plus 4, 4 moins 4, pardon, ça va faire 0. Donc ça disparaît. Et h divisé par h, ça va donner 1. Donc je vais pouvoir remplacer tout ça par 1. Donc ça va me donner 1 divisé par racine carrée de 4 plus h plus racine carrée de 4. Et là, quand je fais tendre dans cette expression h vers 0, ben 4 plus 0, ça fait 4. Et donc ça va me donner 1 plus racine de 4 plus racine de 4, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 1 sur 4. Et 1 sur 4, ça me donne 0,25. Et donc vous remarquez évidemment que la dérivée de la fonction petit f quand x égale 4 est proche du taux de variation obtenu entre les points d'abscisse 4 et les points d'abscisse 4,5. Alors si je reviens sur le graphique pour bien comprendre tout ce que je viens de dire, donc vous voyez ici, la pente de la courbe bleue, c'est 0,4. Et en vert, ici, donc la pente de la tangente, c'est bien 0,25. C'est bien la dérivée de la fonction petit f quand x égale 4.
Voilà, donc ça, c'est des notions à bien comprendre. Donc en fait, la dérivée, hein, c'est la dérivée en un point, c'est la pente de la tangente. Par exemple, si je place ici, me place ici en point d'abscisse x égale 1, la dérivée, ça va être 0,5. Ce qui est normal, hein, puisqu'on est sur la fonction racine carrée de x. On sait que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et donc 1 sur 2 fois racine carrée de 1, ça fait bien 1 demi. D'accord? Et là, le point B étant éloigné du point A, la pente de la droite AB est très éloignée de la pente de la dérivée. Voilà, donc ben voilà, pour la première question, on va passer donc à la question suivante. Donc ça, c'est vraiment la définition de la dérivée et son interprétation graphique à bien connaître. D'accord? Donc la dérivée, hein, c'est la limite k h tend vers 0 d'une pente en fait, hein, d'une pente de deux points, un le point sur lequel je calcule la dérivée et un autre point qui se rapproche de ce point. C'est en faisant tendre h par 0 que le deuxième point B se rapproche du point grand A. Ensuite, eh bien, on va ici démontrer en utilisant toujours donc la définition finalement de la dérivée par le taux de variation, on va calculer la dérivée de la fonction g de x égale 1 sur x. Et donc montrer que c'est égal à moins 1 sur x carré. Alors, bah, par définition, g' de x, ça va être la limite quand h tend vers 0 bah, du delta y g de x plus h moins g de x, divisé par la différence des abscisses, x plus h moins x, ça qui donne bien h. Donc je remplace par l'expression de la fonction, g de x plus h, bah, c'est 1 sur x plus h, moins g de x, c'est-à-dire 1 sur x, divisé par h. Alors, bien, encore une fois, hein, je divise par h, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc c'est 1 sur h fois le numérateur qui est ici. Donc là encore, hein, bien comprendre la manipulation de fractions qui n'est pas toujours acquise par les élèves, qu'on peut souvent le constater dans les résultats des interrogations. Et alors donc ça va faire 1 sur h fois, ben, je vais mettre, pour pouvoir additionner ou soustraire ce qui est la même chose de fraction, ben, il faut les mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être x fois x plus h, c'est le produit des deux dénominateurs. Donc ici, la première fraction, ben, ça va donner x sur x fois x plus h, le fameux x qu'il y a ici. Donc le dénominateur commun, c'est x fois x plus h. Hein. Et le moins 1, donc cette fraction-là, je vais multiplier en haut et en bas par x plus h, donc j'obtiens 1 fois x plus h, c'est-à-dire le x plus h qu'il y a ici. Alors ensuite, ça va faire 1 sur h, x moins x ben, disparaît. Donc au numérateur, il ne me reste plus que moins h. Donc 1 sur h fois moins h sur x plus 1. Donc cette expression-là, je l'ai réécrite ici, en fait, c'est exactement la même chose. Et en fait, ici, ben, h divisé par h, ça va donner 1. Donc au final, j'obtiens cette expression pour le taux de variation entre g de x plus h, entre x plus h et x. D'accord? Donc en fait, il y a juste un petit souci ici, je m'en aperçois maintenant. Je vais corriger. Donc en rouge ici. Donc là, on n'a pas égalité ici. Hein. En fait, cette expression-là, c'est uniquement cette expression ici. D'accord? Donc cette expression que j'entoure ici. D'accord? Est égal à ceci. D'accord? Mais en aucun cas, ceci est égal à g' de x. En fait, hein, il faudrait fallu que j'écrive égal limite quand h tend vers 0 de ce truc-là. Et comme je n'ai pas écrit la limite à chaque fois ici, ben je n'ai pas le droit de dire que ceci est égal à g' de x. C'est quand h tend vers 0 que ceci va tendre vers la dérivée de la fonction petit g en x. Alors le fait de garder petit x et de ne pas prendre un nombre particulier, ça nous permet d'avoir une expression générale pour la dérivée. Et alors cette expression générale, on l'obtient donc maintenant en faisant tendre ceci, en faisant tendre petit h vers 0. Et donc quand je remplace dans l'expression h par 0, j'obtiens bien moins 1 sur x carré, qui est bien l'expression recherchée. Et donc voilà, on a terminé la première question.
Alors je l'ai bien détaillé pour que vous compreniez bien cette notion de nombre dérivé, à quoi ça correspond. Voilà. Donc on passe à la question suivante et donc à la page suivante. Donc la page suivante, c'était vraiment très 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 simple. Donc on vous donne un graphique. Donc on considère une fonction définie par la courbe qui est ici. Et on a dessiné certaines tangentes en des points particuliers en fait de cette courbe. Et on vous demande donc pour chacun de ces points de déterminer f de a et f' de a. Donc par exemple, quand petit a égale moins 3,5, on vous demande d'exprimer à quoi est égal f de, ben, je remplace ici petit a par moins 3,5, donc on vous demande en fait de déterminer graphiquement petit f de moins 3,5. Hein, on est bien d'accord qu'il suffit de remplacer le petit a à l'intérieur des parenthèses par la valeur que l'on vous donne. Et là encore, j'ai vu mardi que ça posait de gros problèmes pour beaucoup d'entre vous. C'est quand même très inquiétant. Donc là, il faudrait quand même maintenant passer cette étape. Alors, quand petit a est égal à moins 3, donc ce qu'il y a dans la parenthèse ici, hein, c'est la variable. La variable, elle est représentée sur l'axe des abscisses. Hein, quand j'ai une fonction, hein, ce que je mets dans la parenthèse, c'est les valeurs de la variable qui sont sur l'axe des abscisses. Donc quand petit a égale moins 3,5, ça veut dire que je me situe ici. Hein, moins 3,5. Hein, moins 1. Donc ici j'ai 0. Hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5. Et donc, que vaut petit f de moins 3,5? Il suffit d'aller lire la valeur du point d'abscisse moins 3,5 sur la courbe. C'est un point qui en plus est déjà dessiné sur le graphique, donc c'était quand même pas très compliqué de le retrouver. Et alors, le petit f de moins 3,5, bah, c'est le y. Et le y, il est ici. Et que vaut-il? Il vaut 1, 2, il vaut 3. D'accord? Et pour trouver la dérivée au point grand A, bah, on vous a dessiné la tangente. Donc il suffit de donner la pente de cette tangente, puisque c'est ça le nombre dérivé. Alors pour trouver la pente d'une droite, ben, il suffit de partir d'un point de cette droite, se déplacer d'une certaine quantité delta x. Voilà, le plus simple, c'est de faire delta x égale 1 ici, puisqu'on voit que quand on se déplace horizontalement de 1, eh bien pour retourner sur la droite, donc la tangente, je suis obligé de descendre de 4. C'est-à-dire que le delta y ici, on peut l'écrire, hein, le delta y ici, c'est moins 4, et le delta x, c'est plus 1. Quand je fais la différence des deux, enfin, quand je fais le quotient des deux, delta y sur delta x, j'obtiens bien la pente de la droite, qui est la valeur de la dérivée de la fonction petit f au point d'abscisse x égale moins 3,5. D'accord? C'est bien ça, f' de moins 3,5. Alors ensuite, on vous demandait de faire ce même calcul pour a égale moins 2 et a égale. Pour a égale moins 2, pour a égale moins 1. Alors j'ai inversé sans faire exprès lorsque j'ai écrit la correction hier, donc bon, mais il n'y a rien de bien grave. Hein. Pour moins 1, eh bien, bon, continuons, faisons-le dans l'ordre. Pour moins 2, a égale moins 2, donc c'est ici que je l'ai écrit. Donc ça, on vous demande f de moins 2. Alors moins 1, moins 2, ben, f de moins 2, le point abscisse moins 2, c'est celui-ci, c'est le point grand B, donc cette fois, et le y, c'est bien 0,5. Que j'obtiens ici. Et la pente de la dérivée, bah ici, vous voyez que la pente de la tangente, vous voyez que la tangente ici, quand vous avez dessiné au point grand B, elle est horizontale, c'est-à-dire que delta y vaut 0, et donc la pente est égale à 0. D'accord? Hein, delta y sur delta x, ici, vaut 0. Quelle que soit la valeur de delta x, quelle que soit la valeur sur laquelle je me déplace sur l'axe des x, sur l'axe des y, je me déplace de 0. Donc 0 divisé par cette valeur quelconque, ça donnera bien 0. Quand a égale moins 1, ben f, je suis sur ce point grand C cette fois. Donc pour le son y, il faut toujours un demi. Et la dérivée, eh bien, c'est la dérivée de la tangente qui est ici. Je peux partir, par exemple, du point ici. Quand je me déplace de 1, pour retourner sur la courbe, sur la tangente, il faut que je monte de 2,5. Donc delta y pour 2,5, delta x égale à 1. 2,5 divisé par 1, ça me donne bien 2,5. Et donc après, pour a égale 2, je me situe au point grand D,
Et au point grand D, ben, quand je me déplace de 1, il faut que je descende de moins 1,5. Donc cette fois, la pente va être négative, hein, comme c'était le cas ici. Donc dérivée négative quand la fonction est décroissante. Hein, là aussi, c'est important de le noter. Donc quand la fonction est décroissante, eh bien, j'ai bien une dérivée négative, puisque les tangentes ont une pente négative. Et évidemment, oui, désolé, si je cherche f de 2, hein, on est bien d'accord que f de 2, c'est 1,5. Hein. Donc f de 2, 1,5, et pente négative. Alors, on voit le lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la courbe. Quand la dérivée est négative, la courbe décroît. Quand je me balade avec les x croissants, bien là j'ai des pentes positives, dérivées positives. Ensuite ici, après le sommet ici, bien quand je me déplace, le y diminue, donc la fonction décroît et dans ce cas-là, la dérivée est négative. D'accord? Donc voilà. Donc on passe à la question suivante. On vous donne encore une fonction petit f, donc le graphique de la fonction, non pas l'expression mais le graphique. Cette fonction est définie entre moins 2 et 2, intervalle fermé moins 2 et 2. Et on vous demande que vaut f de 0, ben, ça vaut 0. Et que vaut f' de 0, ben, là pareil, on a dessiné la tangente au point d'abscisse x égale 0 à la courbe. Et donc ben, là, cette pente, ben, il suffit de partir d'un point de la tangente, de se déplacer d'une certaine quantité delta x, on prend ici 1. Et on voit que pour retourner sur la tangente, il faut que je descende d'un delta y égal à moins 3. Donc la pente delta y divisé par delta x, ça donne moins 3 divisé par 1, ce qui donne moins 3. Donc la dérivée en x égale 0 de la fonction qui est représentée ici, c'est moins 3. Et ça, donc, on le détermine graphiquement. Et on vous demande graphiquement pour quelle valeur le nombre dérivé de la fonction est nul. Eh bien, le nombre dérivé va être nul quand la tangente est horizontale. C'est-à-dire en fait aux extrémums de la fonction, ici par exemple, quand en fait voilà, vous obtenez une courbe qui est dans la tangente à cette courbe, et la droite qui se rapproche le plus de la courbe à cet endroit-là, ben, c'est une droite qui est horizontale, donc de pente égale à 0, donc dérivée égale à 0. Donc c'est pour x égale moins 1 et x égale 1. Voilà, nous avons terminé de répondre à cette question-là. On passe à la question suivante. Construire le tableau de variation de petit f, ben là, il n'y a aucune difficulté. Hein. Les valeurs qui vont nous intéresser, c'est les valeurs pour déterminer le tableau de variation. Hein. Donc x part de moins 2, la fonction va être croissante jusqu'à x égale moins 4. Donc attendez, je me trompe de courbe. Voilà, c'est sur cette courbe-là. Donc je pars de moins 2, la fonction est croissante jusqu'à x égale moins 1, ce que j'ai représenté ici. Donc quand x varie entre moins 2 et moins 1, f de x augmente. Et il augmente pour passer de moins 2. Pour passer de. Attendez, ce qu'on va faire. On va. Non, on va pas le faire. Il augmente, passer de moins 2 à 2. Et ensuite, il va diminuer de 2 jusqu'à moins 2 quand x varie de moins 1 à 1. D'accord? Donc x varie de moins 1 à 1. Et petit f, la fonction petit f, le y, f de x, diminue de 2 à moins 2. Et puis après, en plus 1, de plus 1 jusqu'à 2, quand x varie entre 1 et 2, le y varie entre moins 2, augmente de moins 2 jusqu'à 2, ce qu'on peut donc de nouveau observer ici. Quand x varie entre 1 et 2, ben le y augmente de moins 2 jusqu'à 2. Donc on a ici dessiné le tableau de variation de la fonction petit f. Et simplement en observant le tableau de variation, ben on peut en déduire le signe de la dérivée de la fonction petit f, puisque quand la fonction est croissante, ben, la dérivée est positive, donc quand x varie entre moins 2 et 1 et moins 1, pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et moins 1, la dérivée sera positive. Elle s'annule, comme on l'a vu dans les questions précédentes, pour x égale moins 1. Entre moins 1 et plus 1, elle sera négative. Elle s'annule à nouveau pour plus 1.
Et ensuite, la fonction étant croissante, la dérivée sera positive. Voilà. Et on répond ici, on termine la question A4. Alors, la question A3, pardon. Les questions A4 et A5 étaient des questions de cours. Donc, c'est les formules à connaître pour calculer les dérivées, donc cette fois-ci algébriquement. Donc, si on a une fonction qui s'exprime comme le quotient de deux autres fonctions, eh bien, pour trouver la dérivée de cette fonction, ben, la formule, elle est ici. D'accord? Je ne vais pas vous la dicter. Ici, c'est des formules à connaître qu'on va appliquer plutôt dans des cas bien concrets dans les exercices suivants. Et quand on a une fonction composée, c'est-à-dire la fonction petit f apparaît comme étant. Alors, je vais peut-être faire un petit dessin pour bien comprendre ce que ça veut dire cette expression-là, parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Alors, pour obtenir, vous partez de la variable petit x, et donc la fonction petit f, par la fonction de petit f, vous obtenez f de x, l'image de x par petit f. Alors, on va pouvoir, en fait, une fonction composée, c'est, on va dire que petit f, en fait, peut se décomposer en deux fonctions. On va partir de x. À partir de x, j'applique la fonction petit v. Et donc, je vais obtenir v de x, l'expression v de x. Et ensuite, v de x devient la variable pour une autre fonction qui s'appelle petit u. Et c'est bien ça, hein. Vous voyez, quand j'écris u de v de x, la variable de la fonction petit u, c'est ce qu'il y a dans toute la parenthèse ici, c'est-à-dire v de x. Et en appliquant petit u à v de x, ben j'obtiens u de v de x. Et en fait, u de v de x, c'est égal à. Bon, j'écris avec mon pavé tactile, donc c'est pas évident. Donc, u de v de x, c'est égal à f de x. Alors, quand on a donc une fonction qui peut s'exprimer de cette façon-là, eh bien la dérivée est obtenue par cette formule ici. Mais encore une fois, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. On va l'appliquer directement dans des cas concrets dans les exercices qui suivent. Donc, on passe donc aux questions suivantes. Alors ici, alors cette fois-ci, on ne donne plus le graphe de la fonction petit f, mais le graphe de sa dérivée. Donc ici, on a dessiné le graphe de la dérivée de petit f. Alors ce qui va nous intéresser pour déduire de ce graphe de f' le tableau de variation de la fonction petit f, ce qui va nous intéresser, c'est le signe de f'. Donc on va ici nous intéresser aux valeurs de x pour lesquelles la dérivée change de signe. Donc ici, pour x égale moins 2, que je retrouve ici, pour x égale moins 1, pour x égale 0, pour x égale 0 ici, et pour x égale 2. Donc sur la première ligne, je mets les valeurs de x pour lesquelles la dérivée s'annule. Et alors, on peut supposer que la dérivée ensuite continue son chemin, et donc elle est définie pour toutes les valeurs de x plus grandes que 1, donc, ou que 2 ici, donc jusqu'à plus l'infini. Alors, entre moins l'infini et moins 2, ben, la dérivée est négative. Entre moins 2 et moins 1, la dérivée est positive. Et ainsi de suite. Je complète donc le tableau de signes. Donc cette première ligne ici correspond au tableau de signes de la dérivée. Et la deuxième ligne ici correspond au tableau de variation, aux variations de petit f, qui sont déduites directement du signe de la dérivée. Dérivée négative, fonction décroissante. Donc, le graphe de petit f, je ne le connais pas, mais je sais par contre, grâce au signe de la dérivée, comment cette fonction petit f va varier. Et donc, bon, ici, la valeur qu'il y a ici, ce serait f de moins 2, mais comme je ne connais pas l'expression de petit f, ben, je ne sais pas le calculer, mais c'est ici, j'aurai f de moins 2, ici, j'aurai f de moins 1, et ainsi de suite, hein. D'accord. Voilà. Donc f de 0 ici et f de 2 ici. Et donc on a répondu à la question B1. On passe à la question B2. Alors là, ben maintenant, on va juste faire des calculs de dérivée. Alors, ben allons-y.
On vous demande d'abord de calculer la dérivée de 1 sur 3x. 1 sur 3x, c'est 1 sur 3 multiplié par 1 sur x. Et on sait que lorsqu'on multiplie par une constante une fonction, ben cette constante, on peut la mettre de côté. Donc ça va être 1 sur 3. Donc la dérivée va être 1 sur 3 fois la dérivée de 1 sur x. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc ça, c'est des formules à connaître par cœur. Et donc au final, la dérivée, c'est moins 1 sur 3x carré. Quand je passe le signe moins, je mets devant. Et le 3, ben j'écris plus qu'une seule fraction. D'accord? Donc bien retenir, hein, si vous revenez sur le cours et les formules des dérivées, si vous avez une fonction qui s'exprime sous la forme k fois f, k c'est une constante et f c'est la fonction, eh bien sa dérivée c'est k fois f' de f'. D'accord? Donc là, la dérivée, c'est un tiers de la dérivée de 1 sur x, ce qui donne bien moins 1 sur 3x carré. C'était la façon la plus rapide de faire. Ici, donc la dérivée d'une fonction polynôme, j'ai une somme de fonctions, donc la dérivée, ça va être la somme des dérivées de ces fonctions-là. Et alors, j'ai le 1 tiers au départ qui reste. X au cube, c'est 3x carré, donc ça donne 3x carré sur 3, moins 2x sur 2, moins 1. D'accord? Et donc après le 3 sur 3, bah ici, va se simplifier, ce qui donne x carré. Le 2 sur 2 se simplifie, ce qui donne moins x, moins 1. Donc la solution, c'était x carré moins x moins 1 pour la dérivée. Ici encore, donc, somme de deux fonctions. Bah la dérivée, bah c'est la somme des dérivées. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Et là, j'ai un moins que je conserve, c'est-à-dire je l'ai écrit ici. Et la dérivée de 1 sur x, bah c'est moins 1 sur x carré. Donc ça, c'est à connaître. À bien connaître. Hein. Et donc, bah, moins par moins, ça fait plus. Donc, au final, la dérivée, c'est 2x plus 1 sur x carré. Ensuite, bah, racine carrée de x, la dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée. 1 sur 2 racine carrée de x, là aussi, c'est donc un résultat à connaître par cœur. Et la dérivée de moins 3x, bah, c'est moins 3. Puisque la dérivée de x, c'est 1. Hein, vous rappelez la formule, hein, au passage, la dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Et donc ici, et bien, quand j'ai x, c'est comme si j'avais x exposant 1. Et donc la dérivée, c'est une fois x exposant 1. Et la dérivée, c'est 1 multiplié par x exposant 1 moins 1. Donc la dérivée de x exposant 1, hein, ça c'est pas égal évidemment. C'est la dérivée hein, donc, de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Et donc la dérivée de x exposant 1, c'est 1 fois x exposant 1 moins 1, c'est-à-dire 1 fois x exposant 0, ce qui donne bien, pardon, voilà, 1. Au passage, hein, si je considère donc la fonction y égale x, si je trace cette fonction-là, on a bien une droite de pente égale à 1. Hein, donc la dérivée, hein, le nombre 1 ici, c'est ce que j'ai devant le x ici, c'est-à-dire 1. Ok? Bon, la dérivée de 3x, c'est évidemment 3 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc on a bien le résultat obtenu. Qui est ici. Ensuite, on continue avec e de x, qui là, donc, c'est sous la forme produit de deux fonctions. Donc, on voit bien. La première fonction, je vais l'appeler u de x, c'est x carré moins 1. La deuxième fonction, c'est v de x égale racine carrée de x. Et donc, e de x peut s'écrire u de x fois v de x. Donc, j'applique la formule. La dérivée, ça va être ceci. La dérivée de petit u, c'est 2x. La dérivée d'une constante moins 1 ici, ça vaut 0. Hein. La dérivée d'une constante, c'est une droite horizontale de pente égale à 0. Donc la pente, c'est la dérivée, encore une fois, donc ça fait 0. Alors donc là, ça nous donne u' de x, c'est-à-dire 2x fois v de x, c'est-à-dire racine carrée de x, plus x carré moins 1, u de x ici, fois v' de x, le v' de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, à connaître par cœur. Alors je peux tout mettre au même dénominateur,
Donc je multiplie ici en haut et en bas par 2 racines carrées de x. Et lui, je laisse tel quel. Et alors, racine carrée de x fois racine carrée de x, ça va faire x. X fois x, ça fait x carré. Donc en haut, je vais avoir du 4x carré ici, plus le x carré qui est là, ça nous fera du 5x carré, moins 1 sur ben, le dénominateur commun de racine carrée de x. Donc le résultat final est ici. Et ensuite, la dernière fonction, f de x égale x moins 1 sur x plus 1. Donc u de x, ça fait x moins 1, v de x, ça fait x plus 1. Cette fonction-là, donc, c'est en fait le quotient de deux fonctions. Donc j'applique la formule qui va bien pour la dérivée du quotient de deux fonctions. Et donc ça donne u prime de x, eh ben, c'est 1, fois v de x, x plus 1, moins le moins qui est ici. U de x, ben, c'est un x moins 1 cette fois, fois v prime de x, ben, le v prime de x, c'est 1, divisé par le carré de petit v, c'est-à-dire x plus 1 au carré. Et donc x moins x, les x vont disparaître. Quand je distribue et que je rassemble les x. Et 1 moins moins 1, donc ça fait 1 plus 1, ça donne 2. Alors inutile de développer le carré qui est en bas. Souvent, donc, ce qu'on va étudier, c'est le signe de la dérivée. Et donc il vaut mieux laisser la dérivée sous la forme d'un le dénominateur sous la forme d'un carré, puisqu'on sait que le carré d'un nombre, c'est quelque chose de toujours positif. Donc pour étudier le signe, c'est pratique. Donc là, par exemple, on voit que f' serait toujours positif. Et donc ça veut dire que cette fonction-là, ici, là, x moins 1 sur x plus 1, est tout le temps croissante. Alors évidemment, elle n'est pas définie pour x égale moins 1. Hein. Mais sur chacun des intervalles où elle est définie, la fonction est croissante. Alors, encore une fois, là aussi, hein, dessinons-la pour voir ça. J'ai GeoGebra ici, donc x moins 1 sur x plus 1. Alors je vais prendre bon, j'ai pas, je, oui, sauvegarder, allez, sauvegarder sous forme de dérive. Alors, dessinons, donc j'avais dit c'était x plus 1 sur x moins 1, c'est ça? Non, x moins 1 sur x plus 1. F de x. Donc, GeoGebra est très pratique pour dessiner des fonctions. Hein. F de x égale x moins 1 divisé par entre parenthèses x plus 1. Et donc, vous voyez la fonction ici qui est donc bien croissante sur chacun des intervalles et pas définie en x égale moins 1. Mais attention, on ne peut pas dire qu'elle serait croissante si du point x égale moins 3 au point x égale 1, puisque vous voyez que le y diminue. Donc, encore une fois, on étudie le signe de la dérivée sur un intervalle, et sur cet intervalle, on peut dire que la fonction est croissante ou décroissante. Mais il faut que sur tout l'intervalle, la fonction dérivée soit bien définie. Si j'ai des coupures ici, je ne peux rien conclure, puisque la fonction peut, donc en x égale moins 1, n'est pas définie. Donc parler de sens de variation. Quand on passe d'un côté de la courbe, x plus petit que moins 1, à un côté où x est plus grand que moins 1, pardon, ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Alors on passe à la question B3, donc calcul de dérivée encore. Et cette fois, donc c'est des fonctions composées. Alors a de x, c'est cos de x carré plus 1. Donc on va poser u de x égale cos de x et v de x égale x carré plus 1. Et on voit donc que la fonction petit a, c'est u cos de x carré plus 1. Donc on a bien ici une fonction composée. Pour obtenir a de x à partir de x, j'applique d'abord la fonction v. Donc je calcule x carré plus 1. Et ensuite, j'applique la fonction u. D'accord? Alors ça va donner quoi pour la dérivée? Ben, la formule, hein. Ce qu'il y a dans la parenthèse ici, ben, il faut que je le sorte et que j'en prenne la dérivée, fois la dérivée de petit u, et je mets à l'intérieur ce que j'avais ici, v de x. Donc ça va donner quoi? V prime de x, eh ben, c'est 2x, multiplié par la dérivée d'un cosinus, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus de quoi? De v de x, c'est-à-dire de x carré plus 1.
Et donc, le moins, je peux le sortir. Le signe ici, c'est un multiplié, hein. Le moins, je peux le sortir. Donc, ça fait moins 2 sinus de x carré plus 1. Et donc, j'ai résolu la première dérivée. Calcul de la deuxième dérivée, ben là encore, je vois que c'est une fonction composée. Donc, c'est la racine carrée de cette fonction-là. Donc, c'est racine carrée pour petit u et 2x carré moins 3x pour la fonction petit v. Donc, b' de x, toujours la même formule. V' de x, ben, ça donne 4x moins 3. D'accord? Et u', la dérivée de u', donc c'est la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc ça fait 1 sur 2 racine carrée, mais pas de x, de v de x cette fois. Donc de ce que j'ai ici. Et voilà. On a donc la dérivée de petit b qui est exprimée ici. Inutile d'aller plus loin. Alors la fonction petit c de x. Alors là, il faut faire attention. Donc je vais d'abord appliquer la fonction petit v, c'est-à-dire x au cube plus 2. Et ensuite, j'applique la fonction petit u, qui est la fonction puissance, x exposant 6. Donc c de x apparaît comme étant égal à u de v de x. D'accord? Avec u égale exposant 6, en fait, puissance de 6. Et v de x, c'est ce que j'ai à l'intérieur des parenthèses ici. Donc la dérivée, bah, c'est v' de x, c'est-à-dire 3x carré, fois la dérivée de x exposant 6, alors je l'ai fait, donc c'est 6 fois, donc si je l'écris ici, par exemple, u prime de x, c'est 6 fois x exposant 5. Donc si le 6 est ici, exposant 5, je l'ai écrit ici en haut. Et à la place de x, ben, il faut mettre v de x. Donc ce qui va donner 3x carré fois 6 fois x au cube plus 2 exposant 5. Et donc 6 fois 3, 18, x carré, x au cube plus 2 exposant 5. Vous pouvez laisser l'expression un peu sous cette forme-là, il n'y a pas de souci. Et la dernière, alors là c'est encore une autre façon de calculer, racine cinquième de x exposant 4. Alors la racine. Donc on pourrait dire que c'est des fonctions composées, mais on ne va pas la calculer comme ça, cette dérivée, parce que la dérivée de racine carrée de 5, de racine cinquième, pardon, on ne la connaît pas. En fait, on sait que racine carrée de 5x, racine cinquième de x, en fait, excusez-moi, hein, c'est égal à x exposant 1 cinquième. D'accord? Et donc, en fait, cette expression ici, je peux dire que c'est égal à. On peut dire que d de x, c'est égal à la racine cinquième de x exposant 4, c'est-à-dire x exposant 4, le tout exposant 1 cinquième. Et alors là, plutôt que dire que ces deux fonctions, c'est d apparaît comme la composée de deux fonctions, puisque la fonction puissance 4 est la fonction racine cinquième, qui est donc aussi une fonction puissance, mais avec un exposant fractionnaire, bah, plutôt que de dire ça, je vais simplifier directement cette expression, et ça c'est x exposant, donc une puissance d'une puissance, hein, je multiplie les exposants, donc 4 fois 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes. Donc en fait, d de x, c'est tout simplement x exposant 4 cinquièmes, ce que j'ai décidé d'écrire ici plus rapidement. Et alors la dérivée, ben, en fait, je vais appliquer la formule x qu'on a vu tout à l'heure, hein, la dérivée x exposant n de x exposant n, c'est n fois x n moins 1. Et en fait, cette formule fonctionne également quand n est une fraction. Donc ça va me donner quoi ici? Petit n ici vaut 4 cinquièmes, donc ça fait 4 cinquièmes de x exposant 4 cinquièmes moins 1. Et donc 4 cinquièmes de x exposant 4 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça fait moins 1 cinquième. Et donc si je reviens à une écriture avec des radicaux, avec des racines, ça fait 4 cinquièmes. Attention, on va y arriver. Alors quand j'ai un exposant négatif,
Ben, c'est comme si en fait je l'avais positif en le mettant en bas. Hein, de même si j'avais un exposant négatif ici, si je mets cette expression en haut, l'exposant change de signe. D'accord? Ça aussi, hein, c'est à connaître. Hein. Et x exposant à 1 cinquième, c'est racine cinquième de x. Donc au final, j'ai bien 4 cinquièmes de racine cinquième de x. Voilà, et donc on a calculé la dérivée petit d de petit d ici. Hein, donc en fait, si je reviens plus simplement, hein, quand je passe de x carré à x, je divise par x, d'accord? Quand après je passe de x exposant 1 à x exposant 0, ben j'ai encore divisé par x, et ça c'est 1. Ça c'est égal à 1, x exposant 0. Et quand je passe de x égale exposant 0 à x exposant moins 1, ben je divise encore par x, donc ça fait 1 divisé par x. Et donc quand j'ai un exposant négatif, ben il devient positif en mettant donc l'expression au dénominateur, en la passant du numérateur au dénominateur et réciproquement. Voilà, donc bien savoir manipuler les exposants, les exposants négatifs et les exposants fractionnaires, ça correspond à des racines. Racine cinquième, si j'ai un exposant, si l'exposant est égal à 1 cinquième. Voilà. Donc là, ça, on termine donc les différents calculs de dérivés. On passe à la question B4. Donc on donne une fonction qui est définie par x au cube sur 6 moins x carré sur 4 moins x. Ben, calcul de la dérivée, ben, c'est immédiat, hein. 3x carré sur 6 moins 2x sur 4 moins 1. Je fais des simplifications. Là encore, j'en ai vu parmi vous qui a des difficultés là-dessus. Hein, je raisonne fraction par fraction. 3 sur 6, ben, je divise par 3. 3 divisé par 6, ça fait 1 demi. Donc c'est x carré sur 2. Ou je divise par 3 en haut et en bas. Hein. Donc 3 divisé par 3, il reste 1. 6 divisé par 3, il reste 2. D'accord? Là, je vais diviser en haut et en bas par 2, ce qui va donner moins x sur 2, et le moins 1 reste tel qu'il est. Alors, pour étudier donc les variations de petit f, je vais devoir étudier le signe de la dérivée, donc le signe de cette expression-là. Donc là, c'est une parabole. Donc pour étudier le signe, il faut savoir où est-ce qu'elle coupe l'axe des x. Donc il faut que je calcule les racines de cette fonction-là. Donc pour étudier les racines, eh bien, j'utilise la méthode générale. Petit a est égal à 1/2, petit b égale moins 1/2. Petit c égale moins 1, hein, puisque ça c'est une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Et donc je calcule le déterminant, le discriminant, delta c'est moins 1/2, donc petit c'est b au carré, hein, donc delta c'est b au carré, c'est-à-dire moins 1/2 au carré, moins 4 fois petit a fois petit c. Ce qui me donne donc le moins là est au carré, donc il disparaît, il reste 1 quart. 1 quart, les moins fois moins ça va faire plus. Et 4 fois 1 demi fois 1, ça fait 4 demi. Donc ça fait 1 quart plus 4 demi. Et 4 demi, bah, si je le mets 4 demi, ça fait bien 8 quarts. En faisant, multipliant par 2 en haut et en bas. Et donc au final, je trouve delta égale 9 quarts. Et donc les racines, moins b, moins racine de delta sur 2a, ça va donner moins 1. Et moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ça va donner 2. Et donc, ça va donner... Pourquoi j'ai écrit 9 quarts ici? Ici, il faut écrire 2, hein. D'accord? Ça donne 2. Il y a une erreur ici. D'accord? Ça donne 2. Voilà, donc la dérivée est positive. Elle s'annule en x égale moins 1. Elle est négative entre moins 1 et 2. Et elle est positive après ici. Et donc la fonction petit f va être croissante jusqu'à moins 1, puis décroissante, puis croissante. Et là, évidemment, il faut que c'est f de 2 qui apparaît ici. Donc on pourrait calculer f de moins 1 et f de 2, hein, puisqu'on a l'expression de petit f ici. Hein. Petit f est ici. Et donc cette fonction-là, son tableau de variation, il est ici. Ça va? Voilà. Pour calculer f de 2, par exemple ici, ben, il faut que je remplace x. Il faut que je remplace x par 2. Oh, c'est embêtant là, avec le pavé tactile, c'est un peu embêtant pour. Bon, c'est pas grave, je laisse tomber.
Voilà. Je vais prendre la souris, c'est peut-être plus, ce sera plus pratique. Voilà. Non, même pas. Voilà. Et alors, la concavité, pour étudier la concavité, il faut que j'étudie le signe de la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, ben, je l'obtiens à partir de, en dérivant l'expression de la dérivée. Donc ça va donner 2x sur 2, c'est-à-dire x moins 1 demi. Donc ici, x moins 1 demi. Donc ça va être une droite. Donc si je dessine le graphe de la dérivée seconde, c'est une droite. Cette droite-là, qui a pour pente 1 et qui s'annule pour x égale 1 demi. Avant 1 demi, elle est négative. Après 1 demi, elle est positive. Ce qui me dit, d'ailleurs, on voit bien ici, ça veut bien dire que sa dérivée est décroissante jusqu'ici. En fait, 1 demi, hein, c'est en fait, si je reprends mon stylo, ce qui sera beaucoup mieux, 1 demi, c'est en fait le milieu des racines, hein. C'est l'abscisse du sommet. 1 demi. Et comment je le trouve, hein? Ben, si je fais la somme des racines, 2 moins 1, ça fait 1. Divisé par 2, j'obtiens bien 1 demi, qui est le milieu des racines. Hein, l'abscisse du sommet, c'est la somme des racines divisée par 2. Hein, puisque c'est bien au milieu des racines. Et donc la parabole qui est dessinée là, qui est f' de x, est bien croissante après quand x est plus grand que 1 demi. Et donc ça va donner quoi pour la fonction petit f au niveau de la concavité? Ça va donner ça. C'est-à-dire une dérivée qui décroît. Donc, vous voyez bien qu'ici, si je me place en un point ici, la dérivée a la tangente a une pente importante. Plus j'avance, plus je fais augmenter x, plus la pente de la tangente diminue. Elle vaut 0 ici. Et puis elle va devenir négative, de plus en plus négative. Donc on voit bien que la concavité, bah, c'est une concavité comme ça. Alors que quand la dérivée est croissante, eh bien là, je passe de dérivée négative, puisque la pente est décroissante, des tangentes, la pente est négative, là. Pente négative, de moins en moins négative, puisqu'ici elle vaut 0, et après de plus en plus positive. Et donc, on obtient une concavité dans ce style-là, avec une dérivée qui croît. Voilà, et donc on a répondu à la concavité de la courbe. Donc c'est une courbe qui va faire un truc de ce style-là, vous voyez. Avec ici un point d'inflexion en x égale 1 demi. C'est-à-dire, c'est un endroit où la dérivée seconde est égale à 0 et la dérivée change de signe. Elle est d'abord croissante, enfin, elle est d'abord, la dérivée est d'abord... Ah oui, mais excusez-moi, je me suis trompé dans le dessin. Donc c'est un dessin qui serait dans ce style-là, d'accord? Avec ici, donc, en x égale 1 demi, le point d'inflexion. Et donc la dérivée d'abord décroissante et puis ensuite croissante. Voilà. Et là, sur ce point-là, la dérivée seconde est égale à 0. Dérivée seconde est égale à 0. Voilà, on passe ensuite à la suite. Et donc là, on a des petits problèmes. Alors des problèmes vraiment qui n'avaient rien de très compliqué. Alors ça, c'est un problème classique où donc une entreprise fabrique des produits, des biens. Petit q, c'est le nombre de produits fabriqués. Et on dit que le coût de fabrication, il est donné par cette fonction-là. Donc grand C, c'est la fonction coût de fabrication. Petit q, c'est le nombre de produits fabriqués. Et donc pour connaître le coût de petit q produits fabriqués, ben, on applique cette formule-là. Et c'est l'objet de la première question. Donner le coût de fabrication de 1000 unités, ben, il faut remplacer petit q par 1000 et on obtient directement la valeur 91. Donc c'est en milliers d'euros, donc c'est 91 000 euros, d'accord? Il faudrait que je rajoute ici, fois 1000, et c'est en euros. 91 000 euros. Et là, donc si j'en construis 1001, eh bien je vais avoir ce nombre-là, c'est-à-dire en fait, oh, c'est pénible, hein. 91 000, alors je multiplie par 1000, ça fait 91 fois 0,80. Donc là, pour que ce soit plus clair, donc ça fait 80, c'est 91 000 euros et 91 080 euros. Donc le coût de fabrication supplémentaire de l'unité supplémentaire, c'est tout simplement 80 euros.
C'est ce qui est donné ici, hein. C'est CQ de plus, CC de Q plus 1 moins C de Q. Donc quand je vais fabriquer 1000 euros, si je veux en construire, quand j'ai fabriqué, pardon, Q objet, si je veux en fabriquer un de plus, ben, ça va me coûter ce prix-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle le coût marginal au rang petit Q. Et en fait, on s'en perd les, donc c'est pour savoir si c'est intéressant ou pas de calculer ce produit supplémentaire, en fait, finalement. Est-ce que ça ne va pas nous revenir trop cher? Et donc, on constate que si on calcule la dérivée de C, de grand C, donc la dérivée de grand C, ben je la calcule ici, c'est moins 2Q sur 100 000 plus 1 dixième. Et si je la calcule pour Q égale 1000, j'obtiens quelque chose qui vaut 0,08, qui était en fait ce que j'ai trouvé en fait quand j'ai fait ce calcul-là. Et alors, ce n'est pas anodin. Pourquoi j'obtiens la même chose ici et ici? Et d'ailleurs, les économistes, pour calculer le coût marginal à un endroit donné, ben, ils font la dérivée et ils calculent la valeur de la dérivée directement. Ça donne une expression, ça donne, parce que bon, c'est souvent plus rapide. Ben, pour le justifier, on vous demande d'exprimer CM de Q comme un taux d'accroissement, donc un taux de variation, hein, c'est la même chose. Et donc, je l'ai exprimé ici. CM de Q, c'est en fait quoi? C'est C de Q plus 1 moins C de Q. Et en fait, c'est ce truc-là, divisé par 1. Donc c'est bien du delta C sur delta Q. Donc c'est bien un taux de variation entre les points d'abscisse Q et Q plus 1. Donc en fait, CM de Q s'exprime comme un taux de variation entre deux points. Et comme ces deux points sont relativement proches, hein, et qu'on sait que la dérivée, eh ben, c'est quoi? C'est la limite de ce truc-là quand ce nombre ici se rapproche de Q. Eh ben, on justifie comme ça le fait qu'on obtient deux quantités qui sont proches. D'accord? C'est les pentes de la tangente et la pente de la droite qui passent par deux points, le deuxième point étant proche du point sur lequel j'ai tracé la tangente. Donc les deux droites, c'est ce qu'on a vu hein, en début de correction, sont très proches et donc de pente très proche. Ensuite, on passe à l'exercice, et dernier exercice, et on aura terminé. Un problème donc relativement intéressant. Donc vous avez, on jette une pierre dans un lac. Donc cette pierre, quand on la jette, elle produit des ondes concentriques, vous voyez, des petites vagues à la surface de l'eau. Et le rayon d'une vague, donc la vague, elle progresse comme ça, et le rayon progresse à une vitesse de 5 mètres par seconde. C'est-à-dire la vitesse de la vague, en fait, c'est de 5 mètres par seconde. Et on vous demande à quelle vitesse croît la surface de cette onde lorsque le rayon, donc lorsque la vague est à 12 mètres. En gros, on veut savoir, donc quand la vague se trouve à 12 mètres du centre ici, on veut savoir un peu à quelle vitesse la surface croît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, quand on dit que le rayon croît à la vitesse de 5 mètres par seconde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit r est égal tout simplement à 5 fois petit t. C'est-à-dire que pour un intervalle de temps de 1 seconde, commençons, hein, supposons à t égale 0, le rayon il vaut 0. À t égale 1 seconde, comme la vitesse est 5 mètres par seconde, le rayon vaut 5 mètres. D'accord? Quand t sera égal à 2 secondes, le rayon vaudra 10 mètres. Donc quand on dit que la vitesse... Quand on dit que le rayon croît à une vitesse de 5 mètres par seconde, ça veut dire que petit r est égal à 5 fois t. Le 5 ici, s'interprète comme une vitesse. Et c'est bien des mètres, petit r en mètres, par seconde. Mètres par seconde fois des secondes, ça donne bien des mètres. D'accord? C'est bien une vitesse en fait. Et ce serait, si je représentais en fonction de petit t, si je représente le rayon, petit r, eh bien, je vais obtenir une droite de pente égale 5. D'accord? Donc quand petit t est égal à 0, ça vaut 0. Quand petit t est égal à 1, ça donne 5. Et ainsi de suite. D'accord? Quand t est égal à 2, ça donne 10. Et vous êtes bien d'accord que la pente de cette droite, c'est 5.
Donc, si je vous demandais comment croit le rayon, à quelle vitesse croit le rayon? Il croit à la vitesse de 5 mètres par seconde. D'accord? Un rayon, c'est en mètres. Et il augmente de 5 mètres toutes les secondes. C'est comme ça qu'il croit. Alors, la surface, c'est pi r carré. Donc, la surface dépend de du temps aussi. Et donc, ça va être quoi? Ça va être la surface en fonction du temps, c'est pi fois petit r. Et petit r, en fait, c'est 5 fois t. Donc, on trouve ici l'expression de la surface en fonction du temps. Temps au carré. D'accord? Donc, c'est 25 pi sur t carré. 25 pi t carré. Donc, la surface, vous voyez, ça courbe en fonction de temps. Cette fois, c'est une parabole. D'accord? Que je pourrais terminer ici. La parabole d'équation 25 pi t carré. Et on vous demande. Pour t égale, c'est bien ça, pour t égale 12, ou, non, on ne sait pas le temps. Pour un rayon égal à 12 mètres, donc pour un rayon égal à 12 mètres, il faut déjà que je détermine, quand le rayon est égal à 12 mètres, et je le fais ici, hein, que vaut petit t. Donc petit t, ça va être r divisé par 5, c'est-à-dire 12 cinquièmes. OK? Quand petit r égale 12 mètres, quand petit r égale 12 mètres, petit t est égal à 12 sur 5. Donc un peu plus que 2. D'accord? Quand petit r est égal à 12, petit t est égal à 12 sur 5 secondes. Donc à t égale 12 cinquièmes de seconde, il va falloir déterminer. Donc je veux savoir. Comment croît la surface quand t est égal à 12 sur 5. Et donc en fait, ce que je veux savoir, c'est à quelle vitesse, hein, à quelle vitesse croît la surface à cet endroit-là. Et donc là, c'est finalement ce que je dois déterminer, c'est la dérivée à ce point pour t égale 12 cinquièmes. C'est ça en fait. Hein, pour savoir à quelle vitesse croît la surface, ben, en fait, ce qu'on me demande, c'est de calculer la dérivée de grand S en t égale 12 cinquièmes. Donc la dérivée c'est 50 pi fois t. Et quand je remplace t par 12 cinquièmes, ça me donne 50 pi fois 12 cinquièmes, c'est-à-dire 120 pi. Et alors l'unité c'est quoi? Hein, l'unité de la dérivée ici. Donc vous voyez hein, son expression en fait de la dérivée elle est ici. Quand je dérive, en fait, c'est une variation de surface des mètres carrés divisée par une variation de temps. Donc c'est des mètres carrés par seconde. Et j'obtiens bien une vitesse de variation d'une surface. La surface augmente de 120 pi mètres carrés par seconde. D'accord? Voilà. Et donc on termine comme ça l'examen. Vous voyez donc une application ici des dérivées pour. Qui est très utile en physique. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.